chargement du canoë sur la voiture d'Emeric. C'est parti pour notre sortie. Dépôt de la voiture pour le chemin du retour. Nous voilà arrivés à Nevers. Mise à l'eau de l'embarcation avec tous nos équipements. Mise à l'eau de notre embarcation. Le niveau de la Loire étant plutôt bas, il nous faudra marcher un petit peu. L'eau est plutôt claire. C'est bon signe. Les 25 degrés de ce mois d'octobre nous paraissent très agréables. L'eau elle-même doit avoisiner les 19 degrés. Comme vous pouvez le constater par vous-même, l'eau est suffisamment claire et le fond très propre. Mon shorty commence à me tenir un peu chaud. Il est temps que je l'enlève moi aussi. Les poissons sont au rendez-vous, l'eau est claire. Gardons et autres espèces foisonnent dans les racines des arbres que la Loire a charriés pendant les hivers. Les crues apportent un refuge pour se protéger des prédateurs. Arrivons dans une planque à sciure. En voilà la queue. Celui-là paraît pas mal du tout. À vouloir aller le voir de trop près, voilà ce qui arrive. Après notre intrusion involontaire dans le milieu aquatique, nous voilà à la surface pour remettre le bateau à flot. Notre silure a disparu.
promenade est toujours aussi agréable. Nous laissons dériver le long des berges au fil de l'eau. Les hérons, les cygnes, les colverts font encore partie du paysage à cette saison. Le soleil décline vite à cette saison. Il est temps de pouvoir prendre un petit thé afin de se réchauffer et de poursuivre notre chemin. À ce moment-là, je pense à tous ces gens qui paient des milliers d'euros pour partir sur des terres australes, lointaines, pour vivre une aventure, alors que nos rivières et nos fleuves, à deux pas de chez nous, nous permettent de nous évader, nous reconstruire, vivre l'aventure pour quelques euros. Le soleil se couche, il commence à faire frais. Nous laissons Fourchambault sur notre droite. L'arrivée est proche. Sur la Loire, nous assistons au coucher du soleil, mais également au lever du soleil. Le fleuve est long, il traverse une grande partie de la France et nous amène la diversité de ses paysages, chemin faisant. Au loin, nous apercevons les lumières de Marseille et de Zurich, notre point d'arrivée. La nuit commence à s'installer. Notre lampe frontale nous permettra de retrouver plus facilement la voiture. Nous voilà arrivés, la mise à l'eau est toute proche. L'eau est d'une couleur pas terrible, il nous faudra bien faire à l'eau.
voilà la voiture, pas mécontent de pouvoir mettre une tenue enfin sèche. Il commence à faire frais, et un petit thé nous fera le plus grand bien.